Et voici Papa Pig. L'examen de la vue. Peppa et Georges jouent avec Pedro Pony. Ils s'amusent à sauter dans les flaques de boue. Pedro a glissé et a perdu ses lunettes. Mais où sont mes lunettes? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Oh oh. Georges a trouvé les lunettes de Pedro. Oh. Petit fou! Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? J'en ai besoin. C'est l'opticien qui me l'a dit. C'est quoi un opticien? Mon papa, il est opticien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment? Est-ce qu'il regarde dans ta tête? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne? Oui, contrôle mes yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un œil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout? C'est très très intéressant, ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. Hey. Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûre que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh. C'est quoi cette histoire de lunettes? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue? Non. Peppa est chez l'opticien. L'opticien est Monsieur Pony. Bonjour, Peppa. Tu peux t'asseoir. Bon, que puis-je faire pour toi? C'est pour un examen de la vue, monsieur. Mais bien sûr. Voilà pour toi des lunettes spéciales. Maintenant, regarde le tableau. Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa. Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa? D'accord. A, B, C, D, E, F. Bien. Passons maintenant aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va terminer par les couleurs. Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve. Excellent. As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats? Oui, merci. Que penses-tu de celles-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle, Peppa. Tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil? Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Le garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous?
Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. De glace à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement. Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadée que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh. Oh non, la voiture s'est arrêtée. Ça ne sert à rien, elle ne redémarre pas. Calme-toi, je vais appeler Papy Dog. Papy Dog, j'écoute. Ah, notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hourra! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse. Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse. À la rescousse. Bonjour, Suzy. Nous sommes venus pour vous secourir. Youpi. Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour. Je suis le portique de lavage du futur. Oh! En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Wow! Désolée, je suis bloquée. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh! Faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs! Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien, dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. Le jour de brume. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont à l'aire de jeu. Allons-nous à l'aire de jeu en voiture? Non, on va marcher. Oh là là! Je vois l'aire de jeu d'ici. L'aire de jeu est toute proche. D'accord, marchons. Tout le monde me suit. Nous allons à l'aire de jeu. Nous allons à l'aire de jeu. Oh, le ciel, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est juste de la brume.
C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh. La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards! Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir, les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Oh! Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance! Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Je suis sûr que c'est par là. Eh oh! Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai cru entendre quelqu'un dire « Eh oh !» C'est Maman Rabbit avec Rebecca et Richard. Bonjour Peppa, on est perdus. Bonjour Rebecca, c'est comme nous. On avait décidé d'aller à l'aire de jeu. Nous aussi, mais il y a trop de brume, alors on ne la trouve pas. Suivez-moi tous, rentrons et attendons que la brume se dissipe. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. Suivez-moi, c'est par ici. Oui, Papa Pig. J'ai trouvé notre colline. Nous serons bientôt à la maison. Hourra! Notre maison devrait se trouver juste ici. Oh! Papa Pig est tombé sur une échelle. C'est étrange. Il n'y a pas d'échelle dans notre jardin. Nom d'un cochon. Tu vois où nous sommes, là, Papa Pig? Oui, je vois très bien où nous sommes. Papa, où sommes-nous? Viens donc voir. D'accord. Waouh! Waouh! Nous sommes à l'aire de jeu. La brume se dissipe. Nous sommes à l'aire de jeu. Chouette! Chouette! Nous sommes à l'aire de jeu. Nous sommes à l'aire de jeu. Youpi! Bascule, bascule. Papa, maman. Nous sommes à l'aire de jeu. Vous avez de la chance. Mais je pensais que nous voulions rentrer. Moi aussi. Finalement, nous nous sommes un peu perdus. La vente de charité. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école est percé. Les enfants, nous allons organiser une vente de charité et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit. Hourra! Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose. Quoi par exemple? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus. Miaou. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord. Je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non.
Oh mince, pardon Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord, maintenant c'est à toi de choisir. Oh. On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision. Pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais. Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge? Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. J'ai trouvé. Je vais donner ces ravissantes chaussettes que Mamie Pig m'a offertes. Bien. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Ils nous manquaient. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, Papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, Madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Peppa. C'est parce que c'est le tien. Hein? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Hourra! Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, 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 il n'y a vraiment pas de quoi. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. Youpi! C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les deux pieds dans l'eau. Quelle bonne idée! C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour, tout le monde. Oui.
Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Mais moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Youpi! Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa, les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa! Quel splendide plongeon! Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Oh! Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig! Je vous demande pardon. Les petites bêtes. Peppa et Georges aident Papy Pig à cueillir des légumes. Peppa, voilà une belle laitue. Merci, Papy. Oh, c'est quoi ça? Derk, regarde, Papy, il y a un horrible monstre sur la laitue. Monstre. Oh oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot. Oh, où est-il? Il se cache dans sa coquille. C'est là qu'il habite? Oui, c'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, monsieur escargot. Papy, est-ce que monsieur escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes. Hé là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes les salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bon
Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venue jusqu'ici pour jouer avec Peppa et George? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! George et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh. Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. C'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche. Oh! Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles? Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupées. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors, que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus? Du miel! Ça tombe bien, j'ai justement préparé du pain avec du miel. Youpi! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel. J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de papy. Oh! 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 Petite coquine! Le bureau de Papa Pig. C'est un jour particulier aujourd'hui. Peppa et George vont visiter le bureau de Papa Pig. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée? Plein de choses amusantes. Tu verras. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Youpi! Oui? Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui? C'est moi. Bonjour, moi. Entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. J'ai pas appuyé sur le bouton. Je pense que c'est au tour de George. Appuie sur celui du dessus, George. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, George et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et George. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Miaou. Bonjour, Peppa et George. Bonjour.
Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Waouh! Puis, à imprimer les formes. Waouh! Je vais en imprimer une autre. Merci! Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de Georges. C'est vrai, Georges. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. Georges dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Papa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non. Un ordinateur alors non? Non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres? Bonne idée. Peppa et Georges adorent dessiner avec des feutres de couleur. J'ai dessiné une maison. Georges dessine un dinosaure. Georges dessine toujours des dinosaures. Dinosaures. Ça alors, il est déjà 5 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, waouh! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa. Et quel dinosaure féroce! Georges et moi, on fait le travail de papa. Et ils le font vraiment bien. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Cat. Mais ce que je préfère, c'est faire le travail de papa. Aujourd'hui, Danny Dog organise une fête pour son anniversaire. Yo ho ho! Tout le monde est venu déguisé en pirate. Yo ho ho! Sauf Pedro Pony qui s'est déguisé en cow-boy. Yee-ha! Ohé, ohé, matelot! C'est Papy Dog déguisé en pirate. Bonjour, Papy Dog! Appelez-moi Barbe Blanche. Bonjour, Barbe Blanche! Alors, les flibustiers, ça vous dirait de larguer les amarres pour aller respirer l'air du large? Il a vraiment une drôle de façon de parler. C'est parce qu'il parle comme les pirates. Si vous voulez jouer avec moi au jeu des pirates, dites ah! Ah! Est-ce que c'est dangereux comme jeu? Non, Pedro. Ne t'inquiète pas, Papy Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien. Oh! Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, qui veut y jouer? Voilà le programme. Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette. Quoi? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre. Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor. Oh! Méfiez-vous, le capitaine Croquette est un redoutable pirate. Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papy Pig. Papy Pig. Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper. Youpi! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates. Allô, Papy Pig? Nous arrivons. Formidable. Formidable. Papy Pig et Polly Parrot surveillent le trésor de Barbe Blanche. Tous à bord du galion noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Allons vite au bateau. Yo! Yo! Yeah! Ohé, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage. À bord du bateau de Papy Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage. Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant. Je t'ai apporté une tasse de thé, Papy Pig. Oh, merci beaucoup, Mamie Pig. Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Et moi? Oh, et moi? Oh, et moi? Et moi? Moi aussi.
Mais enfin, que peuvent-ils bien faire? Allô? Papy Dog? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez. Oui, oui, on ne va plus tarder. Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage. En avant, toutes! Cap sur les trésors! Les joyeux corsaires traversent toute la mer pour retrouver le trésor en bâbord vers Tribord. La terre droit devant! Les enfants sont arrivés au verger de Papy Pig. Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper. Pirates, soyez les bienvenus! Chut, maman! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor. Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper. Ce sont des pièces en chocolat. Tout le monde aime le chocolat. Miam, miam, miam. Ah, je te tiens. Papy Dog s'est fait prendre. On essaie de me dérober mon trésor. C'est le mien. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Merci, Capitaine Croquette et Barbe Blanche, pour ce jeu de pirates très agréable. Oh, ce fut un plaisir. Tout à fait. Nous nous sommes bien amusés. Joyeux anniversaire, Dani. Merci, c'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. La visite de Monsieur Patate. Peppa et sa famille regardent Monsieur Patate à la télévision. J'adore regarder les exercices de gymnastique. Et maintenant, regardez les beaux dessins que l'on m'a envoyés. Ceci est une pomme. Oh. Et n'oubliez pas, manger des fruits et des légumes vous aide à rester en forme. Je suis doué pour manger des fruits et des légumes. Ainsi que faire de l'exercice physique. Aujourd'hui, je serai à l'inauguration du nouveau club de gymnastique. Maman, est-ce qu'on pourra aller voir Monsieur Patate? À quoi bon se déplacer pour une pomme de terre, Peppa? Ce n'est pas n'importe quelle pomme de terre. C'est Monsieur Patate en personne. Est-ce qu'on peut aller le voir, maman, s'il te plaît? Eh bien, d'accord. Youpi! Tout le monde est venu voir Monsieur Patate inaugurer le nouveau club de gymnastique. Regardez, je crois que c'est la voiture de Monsieur Patate. Voilà Monsieur Patate! Non, c'est seulement la voiture de Peppa. Oh. Bonjour à tous. Bonjour Peppa. Oh, Suzy a cru que tu étais Monsieur Patate. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une patate? Non, tu es beaucoup trop grande. Monsieur Patate est beaucoup plus grand que moi. Pas du tout, Peppa. C'est juste une pomme de terre. Et une pomme de terre, c'est grand comme ça. Regardez, cette fois, c'est lui. Monsieur Patate arrive pour l'inauguration. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. Bravo! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert. C'est fantastique! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire, il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre mission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Oui. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi. Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique. Et toi, Pedro? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa
en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami, j'ai nommé Monsieur Patate. On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste. Avez-vous reçu l'enveloppe? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa. Il est à la télévision. Oh, oui, bien sûr. Je viens de recevoir une enveloppe pleine de dessins. Cette tomate a l'air très appétissante. Oui, et c'est Georges qui l'a dessinée. Bravo, Georges. Mais mon dessin préféré est celui-ci, qui a été réalisé par Peppa Pig. Waouh! Regardez, c'est mon dessin! Il représente Peppa Pig devant la télévision. On dirait qu'il a vraiment besoin de faire du sport. Qui? Moi? Allez, Peppa Pig! Faites un peu d'exercice avec nous! Bon, d'accord. Hop, hop! Peppa Pig aime sauter en l'air. Tout le monde aime sauter en l'air. Le voyage en train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Oh oui. Tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Oh! Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou, les enfants! Coucou, Papy Dog! Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou! Mais voyons, il est là, ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Nay. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage. Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, hey, c'est Madame Duck et tous ses amis. Oh,
plus de tunnel. Oh, oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Youpi! Terminus! Nous sommes arrivés! Tout le monde descend! Mais, Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa! Nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet! Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà la casquette de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Les poules de Mamie Pig. Peppa et George vont aller dormir chez Papy et Mamie Pig. Bonjour Mamie Pig, Nanny Pig. Bonjour mes petits chéris. Au revoir, à demain. Au revoir maman. Venez voir où vous allez dormir cette nuit. Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite. Il y a très très longtemps. Et voilà le lit sur lequel maman dormait. Oh, c'est comme un trampoline. Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge. Maman sautait sur son lit, elle aussi? Oh, bien sûr. Ah bon? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit. Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous. Ah bon? Oui. Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin. Papy Pig! Bye! Bonjour Peppa, bonjour George. Venez voir mes carottes. Papy Pig est fier de montrer ses légumes. Oh. Et voilà mes petits pois. Ah. Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades. Oh non, mes salades ont disparu. Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés, Papy Pig. Oui, les vilains. Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'Épouvantail ne les a pas fait fuir. Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades. Que se passe-t-il, Papy Pig? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes. Quels amis? Tom et Dick et Harry. Ce ne sont pas leurs noms, voyons. Mamie Pig a des poules. Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa. Bonjour. Et lui s'appelle Neville. Est-ce que Neville est un garçon? Oui, Peppa, on appelle ça un coq. Et c'est le pire de tous. Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai déjà vu en manger. Ouais. Et il a mangé toutes mes salades. Vous n'êtes pas du genre à manger les salades de papy, n'est-ce pas, les petits? Pas depuis que je leur donne ces délicieuses graines. Allez, rentrez à la maison. Peppa, George, voulez-vous donner à manger aux poules? Oui, s'il te plaît, mamie. Tenez, les poules, c'est pour vous. Tu as une cabane, Mamie Pig? Cela s'appelle un poulailler. C'est là que les poules pondent leurs œufs. Leurs œufs? Mais il n'y a pas d'œufs là-dedans. Pas maintenant, mais il y en aura bientôt. Oh. Dans la maison de Papy et Mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et George. Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs œufs, Mamie Pig? Peut-être demain matin, Peppa. Comment on va savoir que c'est demain matin? Neville nous avertira. Maintenant, dormez. Bonne nuit. C'est le matin. Oh, c'est Neville! Merci de nous avoir réveillés, Neville. Cocaïco! Bonjour, Gemina, Sarah et Vanessa. Avez-vous des œufs pour nous? Un, deux, trois, quatre! Quatre œufs, mamie! Nous allons les manger au petit déjeuner. Merci beaucoup, Gemina, Sarah et Vanessa. Merci.
À la coque pour tout le monde. Youpi. C'est délicieux. Mamie, les œufs de tes poules sont drôlement bons. Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours. Et à mes salades aussi. La journée des jeunes talents. Une nouvelle journée s'achève à la maternelle de Peppa. Les enfants, demain, ce sera la journée des jeunes talents. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doué. Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça. Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même. Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare. Les parents sont venus chercher les enfants. À demain, et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Je ne peux pas me coucher maintenant. Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents. Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa. Oui, je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa, tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Hey. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Ah! Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. Oh! S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Oh! L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant. Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Squeak! Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Heureusement, je peux encore danser et chanter. Moi, je suis vraiment très douée pour chanter. Écoutez. Brille, brille, petite étoile. Bon, eh bien, il me reste encore la danse. Suzy Sheep, montre-nous ton talent. Je vais danser. Non, tu n'as pas le droit. Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa. Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent. Maintenant, il ne reste plus que Peppa. Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser, mais tout a déjà été fait. On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses. Sauf pour regarder la télévision. Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout. J'ai trouvé! Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée. Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa. La chose que je sais faire est mieux que n'importe qui dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue.
En cette belle journée ensoleillée, Peppa joue au ballon. Tandis que Georges et son ami Edmond Éléphant jouent aux cosmonautes. Lune, lune. Georges fait comme si le ballon était la lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Oh. Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa. Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la lune. Le musée organise une exposition sur la lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? Oui. On est vraiment obligés d'aller sur la lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la lune? Oui, mademoiselle Rabbit. Nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la lune. Oh, on va aller sur la lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Oh. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Ho, ho, ho. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe cette autre planète qui tourne autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure. Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton. Mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse. Alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non. Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh. Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh. Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la lune? Non. Est-ce qu'il y a des voitures sur la lune? Non. Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la lune? Non, personne ne vit sur la lune. Bienvenue dans la boutique souvenirs. Nous avons des cartes de la lune, des livres sur la lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la lune à l'intérieur. Oh! Que diriez-vous d'un morceau de fromage de lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 euros, s'il vous plaît. 5 euros? C'est pour une bonne cause. Maintenant que j'en sais plus sur la lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse.